grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est sur RTL. Alors, les nouveaux talents, nous les encourageons aussi. Ben, il n'y a pas que les grands talents anciens que nous honorons. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire la connaissance d'Yves Pujol, qui est un comédien qui a fait le conservatoire, le cours Florent, et puis qui s'est lancé dans le One Man Show et qui se produit régulièrement au Don Camillo. Ce que vous allez voir, c'est une composition. C'est une jeune femme qui cherche fébrilement un garçon. Yves Pujol. Bonjour. Y a-t-il un mec qui veuille me sauter ce soir? Ah ben ça fait plaisir, ne vous bousculez pas. Vous avez vu les filles, c'est bien les mecs. Ça, dès qu'on devient facile, hop, ils deviennent difficiles. D'ailleurs aujourd'hui je suis sûr que je ne suis pas la seule à être en manque. Je suis sûr que ce soir, il y a d'autres filles comme moi qui sont laissées sur le bord de la route, abandonnées, toutes seules. Bon, attention, moi, ça ne me fait pas peur d'être seule. Je sais ce que c'est qu'être seule. J'ai été mariée. Au début, il ne voyait que moi. Hein. Il était fou de mon corps, de mes fesses surtout. Je ne pouvais pas lui tourner le dos sans qu'il regarde. Un jour, je lui dis, toi, quand tu mourras, je jetterai tes cendres aux toilettes comme ça. Tous les jours, je poserai mon cul sur ta tombe. Ah, je lui ai dit. Oui, je lui ai dit. Oh non mais les mecs, vous êtes que des machos, des pervers, des égoïstes. Être une jolie fille tendre et sensuelle, ça vous suffit pas, il vous en faut plus. Il faut qu'on soit tout pour vous. Une épouse, une infirmière, une secrétaire, une pute. Un métier à temps plein, quoi. Mais bien sûr, sans les 35 heures, sans la retraite et sans la sécurité de l'emploi. Eh ben moi, je regrette. Moi, quand j'ai fini de cuisiner, de ranger, de repasser, qu'il est tard, que la journée est finie, que je suis enfin démaquillé, s'il faut encore jouer les stars du porno pour avoir droit à un petit câlin, eh ben merde. Alors quand il vient me voir avec son air mielleux et qu'il me dit « j'ai envie de faire l'amour », j'ai dit « moi aussi, mais pas avec toi, connard ». Ah, je lui ai dit. Oui, je lui ai dit. On avait un point commun tous les deux. Je l'aimais et il s'aimait. Oui, parce que c'est narcissique, Adam. Il faut le savoir, c'est narcissique. Essayez, mesdames, parlez à un homme de lui-même, vous allez voir. Il va vous écouter pendant des heures. Mais si vous avez le malheur de lui parler de vous, de vos problèmes, oh là, vous êtes transparente, vous faites partie des meubles, il ne vous écoute pas. De toute façon, quand un homme vous écoute, c'est qu'il veut vous sauter. Et quand il ne vous écoute pas, oui, madame, c'est qui vous a déjà sauté. Il ne vous écoute pas et il ne vous voit pas. Mais il faut dire que les hommes ont une vue très relative, vous savez. Essayez, sortez de chez le coiffeur, mettez-vous devant lui pendant une heure, il ne va rien voir. Par contre, l'été, sur la plage, une paire de seins, 50 mètres, il la repère. Ah non, mais c'est du boulot d'être une femme. Moi, des fois, je me demande où je trouve la force de passer 3 heures dans la salle de bain, à me maquiller, m'habiller, me coiffer, tout ça, pour finir en 3 minutes, à 4 pattes, le nez dans la moquette, la jupe relevée, les cheveux défaits. Ah non, mais les hommes ont perdu le sens de la galanterie, vous savez. Une fois, je suis tombé sur un malade, un fétichiste. Il prenait son pied en léchant les miens. Il me suçait les orteils pendant des heures. Je lui dis pas, moi, l'été, qu'il met toujours des baskets en chaussettes. Un malade. Mais bon, attention, j'ai beaucoup appris avec lui, vous savez, surtout au niveau sexe. Parce que moi, au début, au niveau sexe, moi, j'étais nul, hein. Moi, au début, clitoris, je croyais que c'était le chien de Bélix. J'en ai vu, hein. Et je vous parle pas de tous ceux qui m'ont invité au restaurant pour me sauter. Mais si j'avais dû dîner avec tous les hommes avec qui j'ai couché, mais je serais énorme. Moi, j'en ai rencontré un d'un banal, mon Dieu, mais d'un banal. Il me faisait l'amour toujours de la même façon. Toujours le même scénario. Dès le début du film, je connaissais le nom de l'assassin. Il attaquait par les préliminaires. Bon, j'aime bien les préliminaires, mais alors là, c'était interminable. En plus, il avait une langue comme le lézard, je l'appelais. Mon Dieu.
monsieur quand il attaqué à me lécher, mais je m'en sortais plus dans les oreilles, dans le nez, dans les yeux. On aurait dit qu'il avait une serpillière dans la bouche. Et quand il m'avait bien nettoyé, il m'attrapait le bout des seins, et il tournait fort comme ça, il tournait fort. On aurait dit qu'il cherchait RTL. Je disais, arrête, ça fait mal. Et puis on capte pas, ici. C'est terrible cette manie, vous avez les hommes, de croire qu'on est toujours obligé d'avoir mal pour avoir du plaisir. Une petite fessée de temps en temps. Alors moi ce que je voudrais, c'est un homme qui m'aime en mourir. Mais un homme ne peut pas mourir d'aimer. Il s'endort toujours avant. Moi je voudrais un romantique mais avec de la poigne, un Kevin Costner, un Mel Gibson, un qui me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire mais qu'au fond de moi je sais que j'ai envie de faire mais que je peux pas du tout, que j'ai envie de faire mais si au fond de moi je sais que je peux pas, que je sais. C'est pas facile à comprendre surtout pour les hommes. Eh bien messieurs, je vous dis une dernière chose, les femmes ne sont pas faites pour être comprises, non, elles sont faites pour être aimées. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veuille m'aimer ce soir? Je voulais juste signaler que j'ai écrit ce spectacle, ce texte avec le grand dessinateur de presse, Volinsky. Voilà. Ah oui, oui. Bon. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est sur RTL.